I will call upon your name. Oh. For you are mine, and I am yours. Oh. Voilà, bonjour, bonjour, bonne arrivée. J'espère que votre nuit a été bonne. Bonjour Naomi, qui dit le Canada vous salue. Merci au Canada. Je salue aussi le Canada. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà, connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Envoyons des cœurs, des pouces bleus pour promouvoir notre direct ce matin. Et le Seigneur apporte la délivrance à quelqu'un. Bonjour, bonjour, quel que soit votre pays, je vous dis bonjour de ce côté là-bas, du continent. Que Dieu vous bénisse, au nom précieux et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Voilà vivement la France. Nous serons là-bas, Emma, nous serons en France le 25 août. Le 25 août, nous serons à le 25 août. En France, will be there by the grace of God, à l'espace Nova. Serons là-bas à l'espace Nova, en France. Attendez, je regarde encore bien. Vous savez, les adresses chez les Blancs là-bas, là, je ne sais pas pourquoi ils ont compliqué les choses comme ça. Pourtant, la vie est très simple. C'est-à-dire, au lieu de dire simplement Tinga et Lobby, c'est tout. Dragage, c'est simple, Omnisphore, voilà. On va te dire espace Nova, 8 rue 95, Pierre Ley, c'est trop. Juste où, où se trouve une salle. Partageons la vidéo, s'il vous plaît, au maximum. Partageons au maximum. Que Dieu te bénisse pendant que tu le fais. La main de Dieu sur toi, au nom souverain de Jésus. Je veux prier ce matin avec toi, par la grâce de Dieu. S'il y a quelque chose que tu penses que l'ennemi t'a volé, nous allons en parler. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Voilà, bien-aimés, c'est une nouvelle journée. Je suis dans la ville de Tchang. On est à Tchang et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires dans cette ville. Je vous assure, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Ça veut dire que la terre-ci, c'est la terre des prophètes. La main de Dieu est en train de se manifester de façon exponentielle. Je répète encore, de manière exponentielle. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué pendant le culte d'hier. Vraiment, Tchang. Si vous êtes dans la ville de Tchang et que vous n'êtes pas à la maison du parti de Tchang, ça veut dire que vous n'aimez pas votre vie. Vous ratez une occasion extraordinaire et unique venant de la part de Dieu pour votre délivrance. J'ai l'habitude de dire que les prophètes ne sortent pas pour rien. Dieu n'envoie pas les prophètes vainement. Il envoie les prophètes pour accomplir une œuvre. C'est lorsqu'il y a un besoin quelque part que Dieu sort un prophète de son carquois et il envoie comme une flèche pour apporter les traits de l'Éternel et apporter la délivrance et la restauration. Donc, la ville de Tchang, je pense que ceux qui étaient à la maison du parti hier, nous avons célébré Dieu de manière extraordinaire. C'était trop fort, c'était fort. Il y a une jeune dame qui est venue hier, je pense que et ça faisait partie des choses qui nous ont le plus marqué. La jeune dame est arrivée hier pendant que j'étais en train de prophétiser sur elle. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand tu pries bien chez toi,
Quand tu pries bien chez toi, le Seigneur va parler de ton cas au prophète. Donc je suis arrivé et pendant qu'on adorait, le Seigneur m'a dit qu'il y a une jeune femme ici qui a son amie d'enfance qu'on appelle Nani. Voilà, Nani. Qu'on appelle Nani. Voilà comment je vais dire, ok, c'est qui a une amie qu'on appelle Nani. Et voilà comment la dame va avancer et va poser un problème. Et j'ai compris que c'est pour ça que le Seigneur a voulu. Donc, c'est l'espace Nova en France, le 25 août. Espace Nova, 8 rue Fernand Léger, 95 220 Pierre Ley. Voilà. Donc, c'est où nous serons. Espace Nova, 8 rue Fernand Léger, 95 220 Pierre Ley. C'est là que l'année de prière va se passer. Et je suis en train de travailler pour que je puisse avoir des mois tout entiers en France. Pas seulement en France, mais en Europe en général. Où on doit louer une salle. Je viens pour 4 dimanches. 4 vendredis, 4 dimanches. Je reste un mois avec vous là-bas. Pour vous amener dans les profondeurs de Dieu. Pour encourager votre foi. Pour vous permettre de manger aussi de cette nourriture qui abonde de ce côté ici en Afrique. Pour que vous soyez bien nourris spirituellement et pour qu'on ait assez de temps pour prendre soin de vous, de vos problèmes, etc. Et d'avoir à apporter une marque aussi, une marque de notre part que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné pour vous. Donc, voilà, c'est dans le 95, exactement, Cécile Ndiaye, dans le 95. Que Dieu vous bénisse. Et je serai en Côte d'Ivoire, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la semaine prochaine. On a une grande nuit de prière. Dans l'auditorium de la SNEPSI, à Yopougon, au quartier Sable, le 21 avril, à partir de 21h jusqu'à l'aube. Ça sera extraordinaire. Et nous serons au Togo du 24 au 30 avril, du 24 au 30. Et le 30 avril au Togo, ce sera le culte des familles. Le culte des familles. Je pense peut-être que c'est le premier culte des familles que j'aurai à tenir du côté du Togo. Et le samedi, le 29, nous aurons le service d'impartition avec tous ceux qui veulent être impartis, qui ont besoin d'une huile nouvelle dans leur vie. Dieu manifestera sa gloire, je vous assure. Dieu va se manifester du côté du Togo. Vous m'avez tellement manqué, ça fait des années, je suis pas arrivé au Togo. Le Seigneur bénira qu'on puisse arriver là-bas pour apporter notre pierre, notre édifice, notre contribution à l'édifice. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Donc voilà un peu pour les grands programmes et le Congo, je suis en train de me préparer pour arriver chez vous et tôt ou tard, j'annoncerai la date. Alors, je voudrais revenir un peu sur la génération sacrifiée. La génération sacrifiée. Et merci pour tous mes enfants du côté de l'Europe qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour que ma venue là-bas puisse être bien faite, qu'elle puisse être une bénédiction, que ce soit bien organisé, etc. Et si vous pouvez rejoindre mon équipe, contactez simplement Mama Bima et puis elle. On verra si vous êtes éligible pour entrer dans l'équipe organisationnelle. Et merci pour mes enfants de la diaspora qui ont fait un groupe pour préparer mon arrivée. Donc, il y a une jeune femme qui est arrivée hier. On parle de prophète. Qui est arrivée hier au programme. Et quand elle est venue, le Seigneur m'a parlé d'elle pendant qu'on adorait. Il y a une jeune femme qu'on appelle Nani. Quand je vois des gens combattre les prophètes, je dis que ça, c'est des gens qui sont encore, leur esprit est dans l'Antiquité. Les gars sont à l'époque des Cro-Magnon, à l'époque des Australopithèques. Voilà, même pas des Homo sapiens. Les gars, spirituellement parlant, ils fonctionnent encore dans l'Antiquité. Tu combats les prophètes, mon ami. Quelque chose ne va pas dans ta tête, quelque chose ne tient pas bien dans ta tête. Parfois, quelqu'un combat les prophètes, mais lui-même après dira que j'ai reçu une révélation, voici une prophétie que j'ai reçue. Donc, dans tous les cas, elle est arrivée, le Seigneur m'a dit pendant l'adoration qu'il y a une jeune femme qui a une amie d'enfant qu'on appelle Nani. Et je pense que c'était la première fois de ma vie de prononcer le mot Nani. Nani. Donc, et j'ai demandé qui est l'ami de Nani ici. La jeune dame est venue. Oh, je veux prophétiser en France. Je sais que la France a soif de la prophétie. Côte d'Ivoire, Togo, vous êtes habitués au prophétique. Mais j'arrive en France. Il y a combien d'heures? On doit passer un mois en France. Toi-même, tu seras rassasié de ton père. Un mois. Ou just stay there with you.
Peut-être on va même plus rentrer. C'est une façon de parler. Donc, dans tous les cas, cette femme, lorsqu'elle va venir devant, la parole de l'Éternel sera adressée. Et après, elle va dire qu'elle devrait soutenir. Mais sa soutenance a été bloquée par quelqu'un. Et du coup, pendant que j'adorais, l'Esprit du Seigneur m'a parlé. Et j'ai déclaré. Dieu m'a dit, prophétise. Et j'ai prophétisé. Je lui ai dit de tenir son téléphone parce qu'on va l'appeler pour lui dire que sa soutenance aura lieu. Le temps que cette femme aille s'asseoir et le temps qu'on prenne les offrandes, elle est revenue. Elle a reçu le coup de fil immédiatement et on l'a programmé pour lundi prochain à 14h pour sa soutenance. Mes amis, et c'était l'euphorie dans la salle hier. Dieu a manifesté des choses grandes au milieu de nous. Nos cœurs sont dans la joie parce que la fidélité de notre Dieu est notre bouclier. Et Dieu fait ces choses pour confondre les ennemis des prophètes. Pour que les gens comprennent que Dieu n'est pas un homme. Comme le roi Ézéchias l'a dit hier dans le passage que nous avons lu. Et lorsque Sennacherib lui rappelait que aucune des nations que j'ai vaincues là n'a été délivrée par ces dieux. Ézéchias dit que les dieux de ces nations, c'était du bois, c'était de la pierre, c'était du bois sculpté. Mais notre Dieu n'est pas un morceau de bois. Notre Dieu n'est pas sculpté dans de la roche. Notre Dieu, il est le grand Dieu Adonai Elohim, le haut Pantocrator, le tout-puissant. Le tout-puissant. Donc ne nous confondez pas aux nations que vous avez vaincues parce que nous sommes différents. Notre Dieu, on ne l'a pas fabriqué. Il n'est pas fait par des mains d'hommes. C'est le créateur de toutes choses. Celui de qui la Bible dit en arche en logos. Kai ologos proston teon, kai oteos en ologos. Il dit panta di auto egeneto, kai koris auto egeneto udo ude en hogegonen. Toutes choses ont été créées par lui. Et sans lui, rien de ce qui existe n'a été créé. Rien de ce qui existe ne pourrait exister. Donc, pour dire quoi? Nous servons un grand Dieu. Et tu dois être conscient que tu sers un grand Dieu. Pardon, bon, les pires, mes amis, ça. Vraiment, le matin, si là, si vous ne voulez pas mon direct, si, ou moi je pars, je ne vais pas me préparer pour ailleurs. On appelle ça le chantage prophétique. Donc, bien aimé, nous avons vu ce miracle-là hier. Dieu fait ça pour que les gens soient confondus. Ses ennemis, les ennemis de la prophétie, ceux qui disent qu'on arrange, qu'ils soient confus. Le mois passé, je suis arrivé ici, il y a une dame qui est venue, elle a un monsieur qui veut l'épouser, tout cela. Et je lui ai dit par l'Esprit de Dieu que ce monsieur est en train de vous mentir parce qu'il a une femme dans sa vie. Il avait une femme à la maison. La dame se fâchait contre moi. Elle dit que c'est quel prophète qui vient là? Le fiancé de quelqu'un veut l'épouser. Et il lui dit que l'homme là n'est pas seul. Il a la maison avec une femme. La nuit, elle a pris sa voiture. Elle est allée. J'aime ce genre de personne. Elle est partie. Elle est allée dans sa ville. Elle a toqué. C'est la dame là qui a ouvert la porte. Elle a dit qu'elle a trouvé le monsieur. Non, la porte était entrouverte. Elle a poussé, elle a vu le monsieur avec la dame couchée sur sa poitrine dans leur maison, d'après la parole que l'Éternel lui avait adressée. Et elle a cru que la parole des prophètes, de l'Éternel dans la bouche des prophètes, était une réalité. Et une femme comme celle-là, tu peux insulter un prophète à côté d'elle? Non. Donc les gens qui insultent les prophètes, c'est normal, on ne peut pas se fâcher contre ces personnes. Même sur ma page, quand je vois les gens m'insulter, dis non, c'est le montage et tout, vraiment, je ne peux pas me fâcher. Tout ce que je demande à ces personnes, c'est qu'en partant, n'oublie pas de t'abonner et de liker la page. C'est tout. Chacun est libre de donner son opinion. Donnez vos opinions. Ne croyez pas dénigrer ce qu'on fait, insulter ce qu'on fait. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, par les compassions qui sont en Christ Jésus, abonnez-vous, likez la page et appuyez sur la cloche de notification. Comme ça, les autres vidéos que je vais poster, on pourra vous signaler que je suis déjà en direct. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Mais si vous m'insultez et vous n'êtes pas abonné, c'est ça qui me dérange le plus. Et si vous n'appuyez pas, vous oubliez d'appuyer sur la cloche de notification, ça peut un peu me déranger. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Bien aimé, je voudrais revenir sur ça, pour que tu comprennes. Il y a ce qu'on appelle des pionniers. Dans chaque génération, il y a des pionniers. Les pionniers, c'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée. La génération sacrifiée, c'est des personnes, c'est des hommes ou des femmes qui sont pionniers dans un domaine donné et que Dieu envoie. Et ils vont frayer le chemin pour la génération qui vient. C'est des dévanciers de leur génération.
dans un certain domaine. Ils sont sacrifiés, ils vont pour mourir, pour que ceux qui viennent après vivent. Et nous sommes de cette génération. Nous sommes de cette génération. Nous sommes de la génération sacrifiée. Nous sommes combattus par tout le monde. De toutes les parts, nous sommes combattus. Pourquoi? Parce que nous sommes incompris. Pas parce que nous sommes faux. On n'est pas faux. C'est qu'on est incompris. On fait des choses que les gens ne comprennent pas. Et l'homme, dans son aigreur, son orgueil, généralement, lorsqu'il ne comprend pas une chose, il condamne dans tous les cas, il condamne la chose, il la dénigre, et puis voilà, c'est trop facile pour s'en débarrasser, et puis point stéréotype. Maintenant, regardez, je vous dis une chose, vous devez savoir, je parle aux hommes de Dieu. Je veux parler aux hommes de Dieu. Parce que notre guerre, c'est en même temps avec des ennemis de l'Église, c'est en même temps avec certaines autorités administratives, gouvernementales, qui ne comprennent pas ce que nous faisons, qui ne comprennent pas l'œuvre que nous apportons dans notre nation et dans d'autres nations, qui ne comprennent pas le rôle des serviteurs de Dieu. Je parle des vrais serviteurs de Dieu et le rôle que l'Église joue dans chaque nation. Notre combat, parfois, c'est aussi avec l'Église elle-même, qui ne comprend pas le message que Dieu nous a donné pour elle. La même chose, les Juifs ont crié au salut, au secours, et Dieu est venu vers eux. Et la Bible dit, « O paternos en gastri exei, kai texetai uion, kai kalesusinto, onoma autu Emmanuel, ho esi metermeno, o menon het methemon hoteos. » Voici, la Vierge tombera enceinte. Parce que vous avez pleuré, vous avez crié, vous avez cherché à voir la main de Dieu. Et dit, « Voici, la Vierge tombera enceinte. » Pour exaucer vos prières, la Vierge tombera enceinte. Elle enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu au milieu de nous sous une forme humaine. Parce qu'ils ont pleuré. Ils voulaient le roi, ils voulaient le Messie, ils voulaient le salut. Mais quand le Messie arrive, il l'attrape encore, il le crucifie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était un pionnier dans un domaine. Il ouvrait une voie, il ouvrait un nouveau chemin que les gens ne connaissaient pas avant. C'est pour ça que les scribes, les pharisiens, les sadducéens et le Sanhédrin se sont soulevés contre Jésus pour le faire mourir parce qu'ils ne comprenaient pas. Il disait que Jésus était faux, que c'est par Satan, Belzébul, le prince des démons, que Jésus opérait. Pas parce que Jésus-Christ travaillait vraiment avec le prince des démons, Belzébul, mais parce qu'il ne comprenait pas son œuvre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ frayait un chemin qui n'était pas connu avant. Il était dévancé dans sa génération. Il était un pionnier dans ce domaine-là. Il a porté la nouvelle alliance. Et la Bible le dit clairement. Les Juifs l'avaient. Il l'avait. Onomos diamantios et d'autres. Kaite alete ya kaite karis. Dia Jésus Christ est geneto. Il dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité nous ont été données par Jésus Christ. Vous voyez. Donc, bien aimés, ils n'ont pas compris que Jésus Christ était l'exaucement à leur prière. C'est ce Jésus pour qui ils ont langui. Leurs âmes ont souffert, disant à Dieu, envoie-nous le Messie sauveur. Le sauveur est arrivé et ils l'ont attrapé. Ils l'ont martyrisé, ils l'ont crucifié. Ils n'en ont pas eu besoin. Parce que le sauveur n'est pas venu de la façon dont il s'attendait ou bien qu'il voulait. Ouais. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Dans l'église, les dévanciers, c'est la génération sacrifiée. C'est ceux qui sont destinés à la crucifixion. Mais à cause de la mort de Jésus aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards et demi d'hommes sur la terre qui sont chrétiens, qui utilisent la Bible, qui lisent l'histoire de Jésus. Mais à son époque, non. Pour être chrétien à son époque, on se cachait. Et les chrétiens vivaient dans ce qu'on appelait les catacombes des alcôves. Ça veut dire qu'ils étaient dans des galeries souterraines. Ils creusaient sous le sol. C'est là qu'ils habitaient. Leur maison était là, leur mort. Ils les enterraient dans ces galeries souterraines, dans ces catacombes des alcôves. Vous voyez. Donc, mes amis, aujourd'hui, on est libre de proclamer sa chrétienté, son appartenance chrétienne, etc. Mais quelqu'un est mort pour cela, pour que nous vivions. C'est ce qu'on appelle la génération sacrifiée. Aujourd'hui, dans notre génération, et dans, surtout en Afrique, il faut le dire parce que l'Afrique est en sous-développement dans tous les plans. Mais spirituellement, nous sommes en sous-développement. C'est-à-dire que vous allez voir que lorsqu'un homme de Dieu se lève, par exemple, on voit un homme de Dieu en Afrique qui a une voiture, peut-être il a une belle Mercedes, ou bien peut-être il a une Prado. Directement, les gens commencent à dire que ça, c'est un sorcier, c'est un escroc, c'est un voleur, c'est un bandit, c'est un mercenaire, c'est un meurtrier. Ou alors non, il a trempé. Parce que pour eux, un homme de Dieu ne peut pas avoir une Mercedes, il n'a pas droit à acheter une belle voiture. Si on voit un homme de Dieu qui a une belle maison,
Alors on va dire, ah non, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un bandit. Il dépouille le peuple. Il demande les offrandes. Si vous demandez les offrandes, ah non, il demande les offrandes, il demande les offrandes. Il a escroqué les gens. Mais quelle religion existe sans offrandes? Ces gens qui disent, dans leurs églises, donnent les offrandes. Que ce soit l'église catholique romaine, les gens donnent les offrandes. Et on vend presque tout dans l'église catholique romaine, mais personne n'a jamais parlé. Je n'ai jamais suivi une émission où on vient, on dit que ah, l'église catholique romaine, si là, en parlant des offrandes, les gens donnent les offrandes là-bas. Pourquoi on demande les offrandes aux fidèles dans l'église catholique romaine? Pourquoi on vend les indulgences? Pourquoi? Pour qu'un prêtre vienne dans ta maison, dans l'église catholique romaine, tu payes. Pourquoi cela? Pourquoi on vend le rosaire? Pourquoi on vend le chapelet? On vend les crucifix? On vend les chapelets? On vend presque tout. La carte de baptême est vendue. On vend tout. Les gens achètent. Ils ne trouvent pas que c'est mauvais. Il n'y a pas de mal à ça. Eux, ils ont droit à le faire. Parce que la Bible a été écrite seulement pour eux. Ils ont l'exclusivité. L'église protestante est une église très riche. Son argent vient d'où? C'est des fidèles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où l'église évangélique, charismatique, comme aujourd'hui, il y a une grande révolution que Dieu est en train d'apporter au sein de la CBC, dont je suis le chef de district de la Mefuyafamba. Et je bénis Dieu pour cela, pour cette confiance que la direction générale a eu à me faire. Donc, aujourd'hui, dans notre congrégation, la CBC, qui est une église congrégationniste, je ne vais pas parler de la CBC aujourd'hui, donc qui est une église congrégationniste, ça veut dire que ce sont les congrégations qui font la CBC, qui sont à peu près les membres de la CBC. Il y a une grande révolution qui est en train de se faire. Il y a des hommes de Dieu qui font un travail extraordinaire au Cameroun. Mais cependant, vous savez, la mentalité globale et générale, c'est que l'église évangélique ou charismatique est vouée à l'échec, à la pauvreté. C'est-à-dire que quand on voit un homme de Dieu qui est pauvre, c'est là qu'on dit, ah non, c'est un pasteur, c'est un bon pasteur, parce que les pasteurs, ils sont là pour être pauvres. C'est ça leur destinée. Mais dès qu'un homme de Dieu se démarque, il commence à faire certaines choses. Alors on va commencer à demander, mais lui là, il sort d'où? Son argent, ça vient d'où? Il trouve l'argent où? Il faut d'abord finir l'enquête avec les églises catholiques, les églises protestantes, presbytériennes, etc., qui sont des grandes structures. Aujourd'hui, au Cameroun, la CBC est parmi les dernières églises. Au Cameroun, ça c'est la vérité. Que ce soit en structure, en église bâtie, etc., c'est maintenant que nous voulons apporter une certaine révolution. Les pasteurs de la CBC sont en train de se réveiller, de comprendre certaines choses. Mais nous sommes dans un retard de mentalité qui fait que dès qu'on voit qu'un homme de Dieu se démarque financièrement, quel financièrement même d'abord? Ça, ce sont les premiers balbutiements de ce que Dieu est sur le point de faire. Parfois, ce sont même d'autres pasteurs qui nous combattent. Non, il a une voiture. Il a une voiture. Mes amis, quelle voiture, mes amis? Quelle voiture? Au Nigeria et dans d'autres nations, lorsqu'un homme de Dieu est pauvre, on doute de la véracité, de la véridicité de sa vocation. Mais chez nous, quand un homme de Dieu est pauvre, c'est là qu'on sait que c'est un vrai homme de Dieu. Je prends le cas du Cameroun. On a connu que les hommes de Dieu sont des pauvres. C'est des personnes, des va-nu-pieds. Quand tu es arrivé à l'époque, tu te présentais quelque part comme pasteur, on t'insulte, on te regarde de la tête jusqu'au pied, on voit la pauvreté, la misère sur toi. On te dénigre pour cela. Et on faisait honte à Christ. On faisait honte à l'évangile. La représentativité n'était pas le souci des pasteurs. Mais il y a une génération que Dieu a suscitée, et je fais partie de cette génération, pour apporter la révolution et briser les barrières, briser les frontières, briser les forteresses, briser les stéréotypes, briser les idées préconçues, et montrer qu'être homme de Dieu, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas un pacte qu'on a signé avec la pauvreté, mes amis. On peut être un homme de Dieu et réussir sa vie. Et dans la droiture, dans la justice, dans la vérité. Ça fait 10 ans environ que j'ai fait le ministère. L'année prochaine, on aura 10 ans de ministère. Et je prêche la Bible depuis 1995. 1995, vous calculez, c'est plus de 23 ans. 1995. Hein, 23 ans. Non plus. 95, c'est plus de 23, près de 30 ans aujourd'hui. Que j'ai commencé à prêcher la Bible en Ngaoundal. J'allais, mon pasteur, mon père spirituel m'envoyait dans les églises. J'allais, je tenais des retraites, je prêchais. Mais
À cette époque, jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'on disait à une sœur que tu vas épouser un pasteur, elle prenait le deuil. Elle se couvrait du sang, elle déchirait ses habits pour dire, mon Dieu, ma malédiction vient de mon père ou de ma mère, que moi j'épouse un homme de Dieu, donc pour mourir dans la pauvreté, dans la misère. Parce qu'il y avait cette malédiction, cette vision générale sur les hommes de Dieu, que c'est des pauvres. On dit que pauvres comme la souris de l'église. Ça, c'est l'Afrique, et pas, c'est l'église de l'Afrique, pas en Europe. Les pasteurs en Europe sont des personnes riches et nantis et bénis. Au Nigeria, la même chose. Au Nigeria, on ne parle pas des hommes de Dieu qui ont seulement des voitures. Les gars ont des jets privés. Parce que tous les hommes de Dieu du Nigeria, là, que nous connaissons, ont des jets privés. Aux États-Unis, ça, on n'en parle pas. Je connais l'histoire d'un homme de Dieu aux États-Unis qui a offert près de 20 jets privés. Pourquoi? Parce que Dieu a béni son ministère. Mais en Afrique noire et francophone surtout, dès qu'on voit un homme de Dieu qui a conçu une maison, c'est un problème, c'est un voleur. C'est un escroc, ça vient d'où? Il a eu l'argent où? Et les hommes de Dieu dans l'église, certains hommes de Dieu qui ont échoué et qui ont une mentalité rétrograde, une mentalité millénaire et centenaire, qui sont encore à des années-lumière, en arrière de ce que Dieu veut faire dans son église, en glorifiant son nom dans son église, sont même les premiers à nous dénigrer, à insulter cette génération-ci. Mais la Bible dit néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure, avec ses paroles qui servent de sceau, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Ça n'empêchera pas que Dieu fasse son œuvre au Cameroun. Dieu l'accomplira parce qu'il est fidèle. Il le fera parce qu'il est Dieu. Lorsque vous lisez par exemple la Bible, l'apôtre Paul demande ceci. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amuseras point le bœuf lorsqu'il foulera le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? De la Bible dit clairement que l'homme de Dieu doit vivre de son ministère. Un homme de Dieu doit vivre de son ministère. Et l'apôtre Paul explique que si un homme de Dieu sème des biens spirituels dans la vie du peuple, est-ce que c'est trop demandé si le peuple, si cet homme de Dieu aussi part au bien temporel, c'est-à-dire au bien matériel du peuple de Dieu, sincèrement? Au Nigeria, Papa David Oyedepo, par exemple, il a un parking avec plus de 300 voitures que les gens lui offrent tous les jours. Les gens veulent donner la clé. Moi, je n'ai jamais vécu ça ici, au Cameroun. Jamais. Donc, bien aimé, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que les gens doivent savoir que nous, on est de la génération sacrifiée sur tous les plans. Regardons le cas du prophétique au Cameroun. Prenons le cas du prophétique, par exemple. Les choses que nous sommes en train de faire sur le plan prophétique dans cette nation sont des choses que les gens n'avaient pas vues auparavant. Et à un certain moment, les gens sont convaincus que non, en réalité, c'est des montages. Que c'est des montages. Or, il y a des choses que Dieu fait pour glorifier son nom et fermer la bouche des détracteurs. Il y a des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes des pionniers dans ce domaine. C'est des choses que les yeux n'avaient pas encore vues. Je prends le cas du Cameroun. Des choses qui n'étaient pas encore entrées aux oreilles des gens. C'est-à-dire, nous venons comme ça pour que la génération qui nous suit, quand elle va arriver, mais ils vont trouver un pays qui est fertile. Ils vont trouver un peuple qui est préparé au prophétique, qui est préparé à la prospérité, au succès et à la révolution. Il faut révolution. Il faut un changement de mentalité. Et Dieu suscite parfois une locomotive, des hommes ou des femmes qui vont être un modèle, un exemple, une source d'inspiration.
Prenons le cas du docteur Jenedo Kamdem au Cameroun. Tout homme de Dieu, c'est-à-dire pour tous ceux qui croient en lui ou bien ne croient pas en lui, nous sommes tous d'accord que cet homme nous a ouvert la voie à l'excellence. Il a montré qu'on peut être un jeune homme de Dieu et on réussit. C'est l'un des rares hommes de Dieu au Cameroun qui a acheté, c'était une Mitsubishi à l'époque. Les Mitsubishi Pajero là. C'était au moins 45 millions. Mais tu t'imagines qu'un pasteur achète une voiture de 45 millions. Les gens diront, ah non, 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 c'est trop. Ah non, 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 c'est trop. Ah, je ne veux pas revenir sur les polémiques comme celle-là parce que ça, c'est nous ramener en arrière. Dans tous les cas, ceux qui veulent avancer avec Christ avanceront. Et on l'a vu aller dans des émissions comme L'Arène, où il a démontré qu'un pasteur peut être éloquent, intellectuel, etc. Bon, dans tous les cas, il était pionnier dans ce domaine. Mais qui l'a crucifié? Qui l'a sacrifié? C'est l'Église vers laquelle Dieu l'a envoyé, pour laquelle sa vie a été sacrifiée. Aujourd'hui, il n'est plus au Cameroun. Donc, c'est la même chose encore qui se répète. Mais nous, là, on a dit qu'on ne va pas mourir. On va continuer cette œuvre. La mentalité que les hommes de Dieu sont pauvres, qu'un homme de Dieu ne doit rien avoir, on va briser ça. Comme on voit dans d'autres nations où des hommes de Dieu ont construit des écoles, ont construit des hôpitaux, ont des grands hôtels, etc., des grandes infrastructures, des églises comme l'église catholique romaine. Pensez, leur argent vient d'où? Ça vient de l'église, des fidèles. Ça vient des fidèles. Donc, ce que je veux que les gens comprennent, c'est quoi? C'est que les hommes de Dieu de cette génération, nous devons penser grand. On doit penser grand. On doit aller loin avec Jésus. Cessez de penser toujours que non, tout ce qu'on fait de succès, c'est la pauvreté. Ça, c'est un signe de paresse énorme. C'est un signe de paresse qui n'a pas de sens en réalité. Inadmissible même dans l'église. Comment un homme de Dieu ne peut pas réussir? Comment un homme de Dieu ne peut pas aussi être respecté? Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le domaine de la représentativité pour que les gens comprennent quand tu te présentes comme homme de Dieu, que les autorités te respectent. Et vous devez savoir qu'une église qui n'investit pas dans l'État, dans la nation, ne peut pas être respectée par le gouvernement. Excusez-moi. Sincèrement. Une église qui n'a pas la vision d'investir. L'église catholique est respectée à cause des écoles. Aujourd'hui, on sait de pensée commune que les meilleures écoles sont catholiques. C'est ça la vérité. Pourquoi? Parce que les gars ont compris cela. Ils ont compris. Mais nous, nous sommes encore dans une mentalité rétrograde au point où un homme de Dieu qui essaie de lever la tête, on dit, ah non, non, non. Donc vous voyez, récemment, j'ai un de mes fils, un de nos pasteurs, dans une ville où nous avons une église qui a été convoquée au commissariat spécial. Et avant de partir, il m'a appelé. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il va aller, il a reçu une convocation comme ça. Je lui ai dit, OK, quand tu vas arriver, voilà les questions qu'on va te poser. Et l'une des questions que je lui ai dit qu'on va te poser, et je lui ai dit qu'on va te poser, voici comment tu vas répondre. Explique-leur ceci, explique-leur cela. Je lui ai dit, on va te demander, le commissaire va te demander que l'argent de l'église vient d'où? Parmi les questions. Et donc, quand il est arrivé là-bas au commissariat, il y avait deux policiers, une commissaire, un commissaire et son collègue. Et puis, on lui a posé des questions, des questions, des questions, des questions. Et il a répondu aux questions. Et puis, le commissaire lui a demandé, l'argent de l'église vient d'où? Et je me souviens que j'avais été convoqué une fois par un commissaire spécial dans une de nos villes. Quand je suis arrivé dans son bureau, on a commencé à causer. On discutait ensemble, il m'appréciait d'abord, il a dit vraiment vous faites un bon travail, vous êtes connu jusqu'à la présidence et tout, bon, on n'a pas besoin de tout ça. Et il a dit vous rassemblez des dizaines de milliers de personnes au Cameroun dans vos services, on voit le palais de sport rempli dedans, dehors, jusqu'au débordement, et vraiment vous faites un travail extraordinaire, nous vous encourageons, le gouvernement reconnaît ce que vous faites et tout. Et j'ai dit, OK, merci, on rend grâce à Dieu. Et il a posé une question qui a gâté l'atmosphère. Il m'a posé la question, et votre argent vient d'où? Vous êtes riche, vous êtes nantis, vous avez de grands biens, votre argent vient d'où?
Je lui ai dit, mon commissaire, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, là, je considère que vous venez de m'insulter. Pas seulement de m'insulter, mais d'insulter le Dieu dont je suis le serviteur, d'insulter toute l'Église dont je suis le représentant. Comment vous pouvez me demander que mon argent vienne d'où? Est-ce que vous pouvez poser la question à un imam? Ou poser la même question, sincèrement, à un prêtre catholique? Ou c'est parce que tellement vous nous méprisez, vous dites que rien de bon ne peut sortir de nous, que vous êtes étonné de voir qu'il y a une différence, il y a une révolution, une étincelle de révolution qui est en train de se lever de notre côté. Bon, vous me voyez peut-être trop jeune, et jeune même où, 45 ans, et si on est jeune, on est en train de descendre, 45 ans, tu descends de la pente. Je lui ai dit, monsieur le commissaire, je vois que vous sous-estimez le Dieu que je sers. Pourquoi poser la question à un imam, ou bien à un prêtre catholique, ou un pasteur évangélique? Ou c'est parce que nous sommes des charismatiques, nous apportons la révolution évangélique et charismatique, que vous nous posez de telles questions parce que vous nous méprisez. Parce qu'on ne représente rien devant vous. Nous, on est bon toujours à porter, à courir derrière les gens. Comment est-ce que vous pouvez limiter Dieu jusqu'à ce point? Je lui ai dit, monsieur le commissaire, les temps sont en train de changer. Préparez-vous à voir des choses plus grandes. Quand vous me demandez d'où vient l'origine de mon argent, qui vous a dit, je suis très riche nanti, je lui ai dit, mon commissaire, les personnes nanties ne viennent pas habiter le village où je suis, Chambrousse ici. Les personnes nanties achètent les terrains et construisent à Bastos. Je lui ai dit, ne confondez pas richesse et celui qui a quand même le peu pour survivre. Je lui ai dit que je ne suis pas riche et je ne suis pas pauvre. Mais Dieu m'a donné le nécessaire pour vivre et je me contente de ce que Dieu m'a donné et je gère bien le peu que le Seigneur m'a donné. Mais je lui ai dit, mais par rapport à vous, je comprends que je sois riche. Parce que la richesse, elle est relative. Elle est par rapport à quelqu'un. Parce que quand vous appelez ma richesse, quelqu'un dépense ça en une journée pour ses fêtes. Et ce qui est pour moi une richesse, pour vous pendant un an ou bien toute votre carrière, vous ne toucherez jamais cet argent-là. Donc je lui ai dit, la richesse, elle est relative. Quand vous voyez que je suis riche là, quelqu'un d'autre me voit aussi pauvre. Et c'est simple, c'est ça la vérité. Je lui ai dit que les riches, si j'étais riche, mon commissaire, je n'habiterais pas ici. Je n'avais pas construit ici là. Donc vous ne venez pas nous tuer parce qu'on a construit, mais les cabanes même, la clim même dérange. Il faut aller taper, taper pour que ça donne. Dans tous les cas, je lui ai dit que, mon commissaire, vous-même, vous venez de dire que je suis un pasteur qui rassemble des dizaines de millions au Cameroun pendant mes cultes. Et c'est vrai, on a fait des cultes au Palais des Sports avec plus de 15 000 personnes. Et je lui ai dit que, imaginez-vous que les 15 000 personnes, ça c'est ceux qui sont en présentiel, hormis nos églises en Afrique, en Europe, partout, les 15 000 personnes, je reçois seulement 1 000 francs. Pas 10 000, 1 000 francs de chacune d'elles par mois, ça fait 15 millions. Ça fait 15 millions. Que chacune d'elles dise que papa, vraiment, voici, quand vous êtes mon pasteur là, je vous donne l'argent si. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous donner cet argent. Pardon, papa, mangez aussi bien, parce que vous nous servez. Voici ce que la Bible dit. Et ça, certaines autorités administratives du Cameroun doivent comprendre ça. Le pape là, il est pape, c'est les offrandes des bien-aimés, c'est l'argent des fidèles. L'Église catholique romaine a des grandes structures aujourd'hui. L'Église catholique romaine a déjà, le Vatican, c'est un pays dans un pays à cause de l'argent. Au début, c'est l'argent des fidèles, c'est toujours l'argent des fidèles dans le monde entier qu'ils récupèrent dans toutes les façons, toutes les façons. Ils vendent beaucoup de choses. Et cet argent, ils ont su gérer ça pour ouvrir des multinationales, des banques, des agences de voyage, des construire des hôtels, investir, investir en bourse partout. Mais c'est l'argent des fidèles. C'est l'argent des fidèles. L'Église protestante a des meilleurs terrains. L'Église catholique aussi a des meilleurs terrains dans les grandes métropoles. Pourquoi vous ne partez pas leur demander où ils ont l'argent pour acheter ça? C'est des églises qui vivent de l'argent des fidèles, mes amis. Pourquoi là, ça vous pose pas de problème? Allez d'abord arrêter ces gens. Les musulmans, dans les 5 piliers de l'islam, il y a un des piliers qu'on appelle la zakat. La zakat, c'est l'aumône.
C'est-à-dire que chaque musulman doit payer la zakat. Tu ne payes pas la zakat, tu n'es pas un vrai musulman. C'est un peu comme la dîme chez nous, les chrétiens. Tu dois faire la zakat. Une autre forme de la zakat, c'est la sadaka. Les mosquées là, les grands terrains. Regardez les musulmans, comment leur terrain, leur mosquée, c'est en or. Dans les pays arabes, c'est orné d'or. L'argent là vient d'où? Des fidèles musulmans. Ce n'est pas le gouvernement qui leur donne cet argent. Pourquoi ça ne vous pose pas des problèmes? Ces mosquées qu'on construit autour de vous, partout dans nos villes, l'argent là vient d'où? C'est des Camerounais musulmans qui les donnent. Les catholiques là, les chapelles ornées d'or, des grandes chapelles, ils ont des chapelles bâties en plein cœur du pays. L'argent là vient d'où? Ça vient des fidèles. C'est l'argent des fidèles. Les protestants, ils ont des grandes chapelles bien positionnées. Les presbytériens, de grosses chapelles bien positionnées. Ils prennent l'argent où? C'est les fidèles. Les témoins de Jéhovah, ils ont des grandes cathédrales partout. Parmi les églises, entre guillemets, les plus riches au monde, l'argent vient d'où? Les fidèles. Les mormons, qui ont les plus grandes universités aujourd'hui, les plus grandes assurances, par exemple, Beneficial Life. Et si vous saviez que l'assurance internationale, la multinationale Beneficial Life, c'est une église mormone, ça appartient à l'église mormone. Et l'église mormone, les offrandes, on vous dit combien les gens donnent là-bas, c'est en millions de dollars que les gens donnent les offrandes. L'argent vient d'où? C'est des membres. Chaque organisation culturelle et religieuse vit par l'offrande des fidèles. Donc ne venez pas nous poser la question comme si nous... on sortait des extraterrestres, ou si on faisait quelque chose, vous voyez, que d'autres n'ont pas fait, quelque chose qui n'est pas. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, c'est-à-dire hommes de Dieu ou pasteurs, sont nourris par le temple, c'est-à-dire l'église. Que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Celui qui sert à l'autel doit manger à l'autel. Et dit, voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? On égorgeait en Israël des victimes, c'est-à-dire des bœufs, des moutons et tout ça. Mais le corps là, qui restait là, c'est le sacrificateur qui mangeait ça. Ça partait à la maison chez lui. Ouais, donc, il faut que les gens comprennent. J'ai dit au commissaire, à mon ami le commissaire, parce qu'après on est devenu des grands amis, hein. Je lui ai dit que, imaginez-vous que toutes mes brebis, m'envoient seulement 1000 francs par mois. Vous pensez que j'aurai combien? Je lui ai demandé que vous, votre salaire, c'est combien en tant que commissaire? Nous, ce que nous apportons au peuple, vous ne savez pas pour qui on prie. J'ai prié pour une femme, j'ai souvent rendu le témoignage là, j'ai prié pour une femme que Dieu sauve l'église francophone. J'ai prié pour une autorité dans cette nation qui avait des difficultés dans ses affaires. Elle est venue me voir dans mon bureau et je lui ai dit que j'entends le nom de tel. Je lui ai dit, madame, vous travaillez monsieur qu'on appelle comme ça. Elle a dit, c'est musulman. Elle m'a dit que oui, c'est vrai. Et j'ai dit à la dame que cet homme vous a volé tous vos avoirs, vos biens, vous n'avez plus rien. L'église doit prendre soin de ses pasteurs. Les brebis doivent prendre soin de leurs pasteurs. Parce que nous sommes sacrifiés pour les brebis, pour les fidèles. Un fidèle reconnaissant quand son pasteur... C'est-à-dire, le dirigeant, on va tout gâter aujourd'hui. Une brebis reconnaissante. On prie pour toi, Dieu te bénit. Mais tu vois ton pasteur, ses enfants ne vont pas à l'école. Et que toi, tes enfants vont à l'école et tu as les moyens pour envoyer aussi les enfants de ton pasteur à l'école, tu es un criminel, tu es une brebis criminelle. Tu n'as pas besoin que le pasteur vienne faire la courbette devant toi, que pardon, aide-moi, mes enfants sont pas allés à l'école. Toi-même, tu dois identifier les besoins de ton pasteur et l'aider quand tu as les moyens. Parce qu'il te donne des biens spirituels. Par lui, tu as la vie éternelle. Tu es sauvé de la sorcellerie que ton argent ne peut pas résoudre. Beaucoup des autorités qui nous combattent là ne dorment pas la nuit. C'est le jour. Parce que quand quelqu'un a le pouvoir, il y a l'orgueil du pouvoir. Quand tu vas aller en retraite, c'est où tu vas comprendre que le pouvoir, tout est passager sur la terre. Tout est passager. Ou le jour où tu seras en face d'une maladie mortelle. Là, tu vas comprendre que ceux qui prient Dieu, là, c'est bien.
Je veux que vous compreniez une chose, en ce qui concerne les hommes de Dieu. Et je bénis Dieu pour les autorités administratives dans cette nation qui connaissent la valeur de l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui combat l'Église. Non, 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 non. Il y a des gens qui comprennent ça. Je bénis Dieu pour ce. Je causais avec un ami sous-préfet dernièrement et il m'a donné une révélation qui est très forte. Il a dit ceci. Il a dit que lorsqu'un homme, il a dit que le travail que Dieu vous a donné de prêcher l'Évangile, c'est la fonction la plus noble qui existe sur la terre. C'est plus noble que ce que nous faisons là. Et il m'a expliqué pourquoi. Il m'a dit que lorsqu'un homme naît, c'est les hommes de Dieu qui prient pour lui. C'est les serviteurs de Dieu qui prient pour lui. Et lorsqu'un homme se marie, c'est encore l'Église qui bénit son mariage. Et lorsqu'un homme meurt, c'est toujours les hommes de Dieu qui l'enterrent. Donc ça montre que le rôle des hommes de Dieu est un rôle spirituel, un rôle éternel qui accompagne l'homme de sa naissance à sa mort. Et comment mépriser de telles personnes qui sont les gardiens de vos vies? Il faut faire attention. Donc c'est pour dire quoi? Notre rôle, il est spirituel. Nous nous attaquons au problème que ta position ne peut pas t'aider. Ta position ne peut rien faire là. Parce que tu sois gouverneur ou général, je ne sais pas trop quoi, et que tu ne crois pas en Dieu, mais c'est que tu es fou. Tu es fou, tu es insensé. La Bible dit dans Psaume 14, verset 1, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. J'ai vu une vidéo du général Husseini, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de très simple, de bien. Que Dieu le bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. C'est quelqu'un de bien, ça... Quelqu'un de bien, quelqu'un que j'ai eu la grâce de côtoyer. Pas seulement lui, pas seulement lui. Il y a des hommes de Dieu, je veux dire, il y a des autorités dans cette nation qui sont humbles. Il y a des hommes à qui Dieu a donné le pouvoir dans les nations. Mais ils savent que le pouvoir là vient de Dieu. Que leur souffle de vie là ne dépend pas d'eux. Ils savent que sans Dieu là, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est ça la vérité. L'humilité, c'est important, qui que tu sois. Parce que tôt ou tard, on va t'enterrer. On va m'enterrer, on va t'enterrer. Et puis voilà. L'homme n'est rien, mes amis. L'homme n'est rien. J'ai dit que quand un homme est orgueilleux, c'est qu'il ne comprend rien. Un jour va arriver, ça sera ton dernier jour sur la terre. Ton dernier jour, tu vas sentir que tu es en train de partir. Tu iras donc dire à ce Dieu-là c'est que, comment tu as traité son nom. Donc, j'ai vu le général Husseini dans une de ses vidéos, dans une mosquée, où il disait que les églises, les imams, les pasteurs et les traditionnalistes, tous doivent prier pour le Cameroun. On doit respecter chacun dans sa religion. Et ça, j'ai admiré ça. Et tu comprends que voilà un homme qui se soucie pour la nation, pour le pays. Dans la mosquée, il n'a pas dit non, moi je soutiens seulement les musulmans parce que je suis musulman. Non, mes amis, non. Il a compris la parole de Dieu. Je me souviens que la parole éternelle m'avait été adressée quand j'étais au Bénin pour un général. Parce qu'il faisait des prières secrètes et Dieu m'avait montré ça en rêve. Ça m'avait montré ça en rêve. Et j'étais au Bénin. Ce m'a dit, va dis-lui comme ça, ainsi parle l'Éternel. Et quand la parole était annoncée à cet homme, il est quitté de derrière son bureau. Il est venu s'asseoir à côté de moi. Il a dit que prophète, je ne vais pas m'asseoir comme ça quand la parole de Dieu est en train de m'être adressée. Et il s'est assis. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Dans quelques mois, voici vous serez nommé, vous serez affecté, il y aura telle chose, telle chose. Il a reçu la parole, on a prié. Et quelques mois après, le Seigneur l'a élevé en dignité. Et on l'a affecté, il a eu un détachement. On lui a jeté une étoile. Donc, il y a des hommes ici dehors, quelle que soit leur position, malgré leur position, ils craignent Dieu. Ils ont un grand respect pour ceux qui travaillent pour Dieu, pas seulement les pasteurs, mais pour d'autres religions qui servent Dieu, pour d'autres religions où le nom de Dieu est invoqué. Donc, mon ami commissaire donc, m'a dit ça, et je lui ai expliqué que mon commissaire, vraiment, quand vous me posez une question comme celle-là, vous voulez que je prenne ça bien comment? Je n'étais pas du tout content dans son bureau. Je lui ai dit que ça, ce n'est pas gentil. Et si vous ne savez pas, à l'époque, c'était en 2019, j'avais une tournée en Europe là-bas. J'avais une tournée en Europe, je ne sais pas, c'était en Allemagne, en Suisse et en France, et je vais aussi passer en Italie. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je lui ai dit que voici, je suis en train d'aller en Europe. Et le budget de ce voyage, c'était près de 40 millions, le budget de cette tournée. Et je lui ai dit que je n'ai pas dépensé 5 francs, pas 5 francs dedans.
Ce sont mes enfants de la diaspora qui ont financé tout mon déplacement. Ils m'ont payé le billet d'avion, aller-retour, classe, business, affaires. Hôtel là-bas, 5 étoiles. Pourquoi? Parce qu'il y a des brebis qui connaissent honorer leur pasteur. Il y a des gens qui savent honorer leur pasteur. Donc, moi, je ne suis pas de la fonction publique. Je suis un homme de Dieu. Je prie pour quelqu'un. Quelqu'un peut avoir un problème spirituel grave. On prie pour lui. Dieu le guérit d'une maladie dont il allait mourir. Et la personne vient te dire, ok, homme de Dieu, vraiment, je ne sais pas ce que je veux vous offrir. Voici la maison que j'ai construite là. Il change les papiers en ton nom, il te donne. Et ta vie change comme ça. C'est d'un tout à rien. Ta vie change. Je suis allé prier pour une femme. La première fois où je touche des millions dans ma main, c'est une prophétie. Je prophétise sur une maman. On prophétise. Et puis, elle a dit, elle va vérifier. Elle se rend compte. Non, elle se fâche dans mon bureau. Elle dit que non, 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 non. Ça fait 25 ans que je suis avec cet homme. Il ne m'a jamais volé. C'est impossible qu'il m'ait volé. Je lui dis, ok, maman, je m'excuse vraiment, mais allez vérifier quand même, madame. Elle est partie. Peut-être un mois après, elle est revenue. Elle m'a dit que le monsieur a tout vendu. Le monsieur lui a apporté un papier qu'elle a signé, qui voulait louer une de ses propriétés à Douala, à des Arabes. Pourtant, c'était l'acte de vente. Il a vendu la propriété à plus de 500 millions. Plus de 500 millions de francs CFA. Cette maman n'a pas eu 5 francs. Elle est venue, elle m'a dit, prophète, si vous priez, et je récupère quand même quelques biens, je vous paierai la dîme de tous les biens que je vais récupérer. On a prié, mes amis. On a prié, j'ai enlevé la veste. On a prié. Parce que je comprenais que si Dieu exaucait ses prières, résolvait son problème, moi aussi mes problèmes allaient être résolus. Et j'ai prié avec cette femme. Elle est partie. Quelques semaines après, elle m'a appelé. Qu'elle voulait que je la combatte quelque part. Dans tous les cas, je suis allé. Et elle avait gagné quand même, pu récupérer quelque chose. Et elle m'avait donné une dîme de 17 millions. Vous voyez, la dîme de 17 millions. C'était la première fois pour moi dans ma vie que je touche des millions. Et la nuit, je me souviens que quand elle m'a donné les 17 millions, je ne réalisais même pas ce qui s'était passé. C'est au milieu de la nuit que je suis sûr. J'ai dit, ah, je suis un millionnaire. Je me suis réveillé, c'est pas possible. Hey, je suis millionnaire, oh. C'est pas vrai. En un seul jour, une seule prophétie. Donc, il y a des gens qui sont reconnaissants dans la vie. Il y a des gens qui nous ont offert des terrains. Quelqu'un veut t'offrir un terrain bien placé qui coûte des centaines de millions. On va dire quoi? Que tu as l'argent, que tu ne dois pas prendre ça parce que tu es un pasteur. Vous êtes malade dans votre tête. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas bien dans votre tête. C'est ça la vérité. Donc, les gens doivent comprendre ça. Les gens doivent savoir que nous, on est des pasteurs. C'est-à-dire qu'on est des docteurs spirituels dans la vie des gens. Nous prions pour les gens. Et puis, il y a des gens qui sont reconnaissants, qui nous honorent. Ce n'est pas tout le monde qui méprise les pasteurs. Maintenant, nous apportons ces révolutions. Mais il y a des hommes de Dieu qui ne comprennent pas que Dieu nous a envoyés pour réveiller leur esprit. Que c'est même pour eux qu'on se sacrifie pour que, quand demain, leur génération se lèvera, et trouve une église qui connaît honorer les hommes de Dieu. Au Nigeria, c'est les fidèles qui achètent les jets privés à leur pasteur. C'est les fidèles qui construisent, achètent le terrain et construisent la maison à leur pasteur. On a quelle vie? On a quelle vie? J'ai quelle vie? Ma propre fille ne me connaît pas bien. C'est ça la réalité. Elle ne me connaît pas bien. Parce que ma vie, c'est de rendre les autres heureux. Je suis ici à Tcham. Je finis, je rentre vendredi, on va faire l'atmosphère des miracles dimanche, j'ai culte, la semaine prochaine, je vais en Côte d'Ivoire, je finis, je vais au Togo, je rentre, je vais en France, dans tous les cas. Quand je suis allé en Ngaoundéré dernièrement, quand j'arrive, avant de partir en Ngaoundéré, les gens ont remarqué que j'ai voyagé avec ma fille. Pourquoi? Parce que quand je lui ai dit, avant de voyager, je lui dis toujours, je vais voyager. Je lui explique où je vais aller, elle me demande, tu vas faire quoi? Je lui explique, on prend parfois 10 minutes, 15 minutes d'explication, parce que je dois la convaincre. Et donc, elle se met à pleurer. Je lui dis, je vais en Ngaoundéré. Elle me dit, mais tu viens de rentrer. Tu n'as même pas fait un jour. Et là encore, tu es en train d'aller encore en Ngaoundéré. Je lui dis, oui. Et elle s'est mise à pleurer. Elle se laisse s'asseoir sur les escaliers. Et elle s'est mise à pleurer. Mais je suis venu m'asseoir à côté d'elle. Je lui ai dit, mais tu pleures pourquoi? Elle m'a dit, papa, tu n'es jamais là. Tu n'as jamais de temps pour moi. Et je vois que tu n'es même plus comme avant. Je ne suis plus ta fille comme avant. Je ne suis plus ta fille chérie comme avant. Non, je vois que tu n'es plus, tu ne m'aimes plus comme avant.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai expliqué que non, tu vois, il faut que j'aille, je suis en mission, je suis serviteur de Dieu, il faut que j'aille prêcher, c'est important, c'est nécessaire. Elle a dit non, non, non. Tu n'es jamais à la maison, tu n'as jamais de temps pour moi et tu m'apportes jamais dans tes voyages. Elle s'est mise à pleurer, elle m'a dit qu'elle est malheureuse à son âge, à 5 ans. Regardez un peu le raisonnement d'un enfant de 5 ans. Elle m'a dit que non, si tu m'aimais, tu allais avoir du temps pour moi ou alors au moins tu devrais m'amener avec toi dans tes voyages. Mais je suis toujours abandonné seul à la maison. Et c'est là que je lui ai dit, ok, d'accord, comme tu te sens même pas bien, je vais donc t'amener en Ngaoundéré. Et on s'est réconcilié, elle a dit d'accord. Donc c'est pour dire que nous sommes une génération sacrifiée. Nous travaillons pour que l'évangile puisse atteindre les zones où il n'a pas encore été goûté. Et bon, mais il y a des gens qui ne comprennent pas toujours l'importance de l'œuvre que nous sommes en train de faire, le sacrifice que nous sommes en train de faire. Donc bien aimé, il faut que les gens le comprennent. Maintenant, prophétiquement, nous amenons une dimension que les gens n'ont pas vue au Cameroun. Même le prophétique, là, il y a des gens qui sont encore convaincus que non, c'est le montage. Jusqu'à ce que Dieu fasse des choses comme celle qu'il a faite hier avec cette dame qui est arrivée. Et elle dit qu'elle est à l'université ici de Tcham. Elle dit qu'elle veut soutenir, mais la soutenance est bloquée. Comme prophétise sur place, on lui dit, tiens ton téléphone, on va t'appeler. À peine elle retourne à sa place, on l'appelle. On l'appelle directement sur place pour lui dire que lundi prochain, 14h, tu soutiens. L'église, ça a explosé. C'est là que le vrai culte même a commencé. Et quand mon équipe m'a dit, après que papa, vraiment, on a été estomaqués hier lorsque nous avons vu ce miracle s'opérer en pleine église, je leur ai dit que ces choses, Dieu ne les fait pas pour sa gloire, pour la gloire d'un homme, mais pour sa propre gloire, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de jouer, qu'il y a un Dieu dans le ciel, pour que son nom soit craint et respecté. Maintenant, tous ceux qui ont assisté à cet événement, ils ne peuvent pas s'amuser. Ils comprendront ce que Dieu a dit lorsqu'il dit, car je veille sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Ouais. Donc, mais il y a l'Église ne comprend pas que Dieu nous a suscités pour apporter une certaine révolution. Donc, je vais finir avec l'histoire de mon fils. Demain, je vais continuer certainement avec ça. Donc, lorsqu'il est arrivé dans le commissariat, je lui ai dit, justement, on lui a posé la question, d'où vient votre argent? D'où vient l'argent de l'Église? Il leur a répondu simplement que l'argent vient de la même direction où ça vient dans toutes les églises. Ça veut dire les offrandes des fidèles, les dons des fidèles, et puis mes conférences internationales. Vous savez, mes amis, je suis en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Nous aurons une conférence d'impartition. La conférence d'impartition, peut-être demain je reviendrai sur cela. La conférence, chacun doit avoir son badge. Il y a des badges qui sont disponibles pour la conférence. Et j'ai expliqué que la conférence, ce n'est pas le culte. En France, j'aurai une conférence aussi là-bas, conférence d'impartition. Les conférences, ce n'est pas le culte. Hein. Le culte, là, tu viens, vraiment, tu fais ton culte librement, tu entres, tu sors, comme tu veux. Mais la conférence, c'est pour une catégorie de personnes. La conférence, ça ne regarde en rien l'Église. La conférence, c'est moi qui l'organise, c'est moi qui organise les conférences. Les conférences d'impartition. Donc, tu prends ton badge et tu assistes à la conférence d'impartition, tout simplement. Et tu ne sors pas la même personne. Tu n'es pas la même personne après cette conférence. Donc, que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. En Côte d'Ivoire, les badges seront présents et au Togo aussi et en France. On viendra avec les badges. Que Dieu te bénisse. Je veux dire à tous les habitants de Tcham qui ont raté la journée d'hier, vraiment, tu peux encore te rattraper aujourd'hui. Et demain, il demanda à chacun d'apporter la terre de sa maison. Je veux bénir ta maison. Quand je ne peux pas aller dans les maisons des gens, apportez-moi la terre. Apportez vos maisons à l'église. Demain soir, tu viens avec et on va prier. Et Dieu te bénira. Et comme tu le fais, le Seigneur te bénira. On m'a dit qu'il y a des gens qui disent qu'ils viennent de loin. Ils n'ont pas pu avoir la terre. J'ai dit que ces personnes apportent leur bouteille d'eau. Je veux prier. Ou bien l'huile de faveur. Je veux prier sur l'huile de faveur. Tu vas aller toi-même asperger sur la terre de ta maison. Et le Seigneur te bénira. Voyez, nous voulons prier contre les malédictions ancestrales, que le Seigneur apporte la libération et la bénédiction dans la ville de Tchamp. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui es en direct, sois connecté ce soir à partir de 17h.
lors du direct et Dieu te bénira. L'enseignement va ouvrir les portes de ta vie et de ton esprit et changer ton entendement spirituel et t'amener très loin. Et je vais vous donner un conseil, mes amis. Soyez une bénédiction pour vos hommes de Dieu. Si on prie pour toi et que tu peux bénir ton pasteur, bénis-le. Mais si tu as les moyens, ton pasteur n'arrive pas à envoyer ses enfants à l'école, n'arrive pas à payer sa maison, tu es en train de pécher. Pourtant, tu as le moyen de le faire. Normalement, si tu as le moyen de construire une maison à ton pasteur, fais-le. Parce que nous sommes des hommes qui n'ont plus, qui n'avons plus de vie. On est sacrifiés pour vous. On cherche, on prie. Je prie peu pour moi, je prie peu pour ma propre famille. Parce que je passe mon temps à prier pour les gens, à intercéder pour les familles, pour les gens. Parfois, nous oublions même nos propres familles et nos propres vies. Nos santé sont mises, notre santé est mise en danger tous les jours. Sur des milliers de kilomètres, tous les jours à voyager, à prendre des avions. Toi, tu es chez toi tranquillement. On prend des risques de crash d'avion. Les gens ne voient pas ça. On voyage pour prêcher l'évangile. Je suis toujours sur les routes. Et les routes du Cameroun sont parmi les plus dangereuses. On est là pour, par amour pour l'évangile, parce qu'on va obéir au commandement de Dieu pour toi. Donc, ce n'est pas trop de bénir ton pasteur, de dire, pasteur, prenez un verre d'eau. Voilà pourquoi Jésus a dit que si quelqu'un donne un seul verre d'eau à un prophète, il ne perdra jamais sa récompense. Il parle du verre d'eau au prophète. Pour toi, la question, est-ce que j'ai déjà donné un verre d'eau au prophète? Si tu n'as jamais fait un cadeau à ton prophète, ou bien, je ne parle même pas des offrandes de l'église, tu fais une enveloppe, que ça c'est pour mon père, c'est pour mon pasteur. Je donne ça à mon pasteur pour le travail qu'il fait dans ma vie, ses prières, vraiment l'enseignement qui change ma vie, qui a fait de moi une personne meilleure. Alors je vais aussi lui donner, je vais lui acheter un pantalon, je vais lui acheter une chaussure, je vais lui offrir une chemise. C'est ça le vrai christianisme. En ce temps, tu deviens une vraie brebis, une brebis responsable. Mais si tu n'as jamais offert la moindre chose à ton pasteur, tu es une mauvaise brebis. Tu ne remplis pas ton devoir. Donc, le pasteur a un devoir et la brebis a aussi un devoir. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Très pressé de te retrouver ce soir. Et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bless you. Demain, 10h, à la même heure, nous allons prier. Et ce dimanche, nous avons culte à Yaoundé avec service photographique. Viens avec la photo de ta famille. Et j'ai dit qu'à Tchan, mercredi à 17h, ça veut dire que demain à 17h, viens avec tes enfants parce que je veux bénir tes enfants. Chacun vient avec sa terre, avec une offrande personnelle, familiale. On va, comme je n'ai pas le temps de faire le culte familial ici, on va faire un petit culte familial. Laisse-moi bénir tes enfants avant de rentrer. Que leur destinée soit dénouée devant l'Éternel, notre Dieu. Pour ceux qui obéiront, que le Seigneur les bénisse au nom souverain de Jésus. Quand un prophète entre dans ta ville et qu'il n'est pas régulièrement là-bas, il faut profiter au maximum. Rassure-toi d'être béni au maximum. Donc ferme ta boutique, demande ta permission et sois là. Et comme tu le fais, le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Yaoundé dimanche, service photographie, viens avec tes enfants, ta famille, et laisse-moi parler sur ta vie, prophétiser sur tes amis, tes enfants, ceux qui sont en Europe, partout. Venez avec les sujets de prière, avec les dossiers compliqués, nous allons prier. Et Dieu vous bénira. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Bye.